Et tout d'un coup, vous avez produit cette magnifique solution innovatrice et puis là, vous voulez la déployer. Et il faut trouver les endroits. J'étais en train de regarder ce panneau là, tout le temps. Et je me suis dit, tiens, des acteurs, soit des acteurs publics et les acteurs qui font partie de cet écosystème, doivent naturellement être ouverts à déployer nos produits. Et ça ne doit pas être cadenassé de manière contractuelle. Donc oui, j'ai rencontré des situations où dans les bâtiments publics, on vous dit, bah, j'ai la solution zéro déchet pour vous, c'est super, maintenant on peut digitaliser et puis consommer des produits locaux, du lait local et LRG, ainsi de suite. Et puis on vous dit, oui, non, mais écoutez, nous on a un contrat d'exclusivité avec une multinationale qui est signée jusqu'à 2026. Donc là, vous êtes là en tant qu'entrepreneur et vous dites, bah, vous êtes sympa de m'avoir soutenu pour créer un produit. Et ce produit, vous m'interdisez ou vous me fermez la porte pour pouvoir le déployer en public. Donc ça, c'est un réel problème et je pense qu'il y a des mécanismes qui peuvent inciter l'industrie à nous ouvrir la porte. Peut-être des ratios d'ouverture de marché qui doivent être réservés aux produits innovatrices de Genève qui sont soutenus par l'État. Peut-être tout simplement un annuaire de chouettes projets et concepts genevoises auxquels on peut accéder. Okay.